Bonjour les gourmands, c'est la saison des tartes, les petits fruits d'été sont de retour, donc on va vous montrer nos indispensables pour obtenir une jolie tarte. Vous aurez besoin tout d'abord d'un cercle perforé, nous on vous conseille ceux de chez Silicom Art parce que c'est nos préférés. Grâce à ces perforations, ça va cuire la tarte de manière homogène. Pour obtenir une cuisson optimale, vous aurez besoin d'un tapis et d'une plaque perforée. Ainsi le biscuit sera croquant et bien cuit jusqu'au milieu. Vous aurez aussi besoin d'un grand rouleau et de barrettes à biscuits. Ainsi, vous pourrez étaler la pâte uniformément. Vous aurez besoin de cet ustensile-là, c'est un coupe-bande. Vous pourrez obtenir ainsi des bandes de pâte bien régulières, donc des bords de tarte bien réguliers. Et pour finir, vous aurez besoin d'une râpe. Nous vous conseillons vraiment notre râpe magique pour obtenir un résultat propre et net. Avoir le bon matériel, c'est indispensable, mais respecter les temps de refroidissement est également primordial. Nous vous recommandons de mettre votre pâte 15-20 minutes au congélateur après l'avoir étalée pour que le fonçage soit plus facile à réaliser. Puis encore une fois, 15-20 minutes au congélateur, une fois que le fonçage sera fait, comme ça la pâte ne s'affaissera pas à la cuisson. Voilà, vous savez tout. Pour la décoration, libre à votre imagination, vous pouvez faire comme nous, mettre un petit peu de crème pâtissière et des fruits rouges, ou alors vous inspirer de nos nombreuses recettes qui sont sur notre blog. Nous espérons que ces petites astuces vous serviront et on vous souhaite de bonnes pâtisseries.